sinon on va être vraiment mal si tout le monde n'est pas arrivé. Donc, c'est parti. Bonjour et bienvenue, et merci d'être venu. Voici le comité de sélection. Chloé, Enola, Yael, Oscar, Victor, mais désolé, il n'y a pas Zoé Elliott. Voici la vidéo de présentation de Leonardo. Chut.
en échange du micro. Désolé, c'était la mauvaise vidéo. C'était celle du Clos Lucé, un château donné par François Ier pour Léonard de Vinci. Maintenant, Cécile Alix. Bon, bah, bonjour à tous. Alors, bah, ça fait un peu star comme entrée. Moi, je ne suis pas une star. Je m'appelle Cécile et j'écris des livres pour les enfants. Alors, bah, pour les tout petits, à partir de 3 ans, même les plus petits encore cette année. Et puis, jusqu'aux ados, donc collège. Voilà. Donc, si je viens vous voir aujourd'hui, c'est parce que nos chers amis du prix Citrouille Verte ont eu la gentillesse de sélectionner mon livre au festival. Ah, bah, il est là, celui-ci, qui s'appelle Leonardo. Et c'est la vie de Léonard de Vinci, racontée par Mélissa, que voici. Et Mélissa, c'est une petite fille qui se passionne pour Léonard de Vinci. Voilà. Elle a inventé des choses et le bibliothécaire lui dit tiens, tu devrais lire ce livre sur Léonard de Vinci qui est comme toi, qui aime bien inventer des choses. Et Mélissa, elle dit ouais, moi je veux bien lire un livre sur un vieux génie mort, mais ça m'intéresse moyen. Et puis en lisant sa vie, elle va découvrir que c'était plus qu'un vieux génie mort. Voilà. Et qui fait encore partie de nous. Donc je ne sais pas trop ce qu'on attend de moi maintenant, mais je ne sais pas. Je vais faire passer le micro normalement pour les questions. Ah d'accord, donc on passe aux questions. Normalement les filles sont censées passer le micro là aussi. Pas de couleur là. Moi je fais des questions en fait, c'est ça. Moi je fais des questions. Voilà, très bien. Eh bien, allez-y. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous êtes montée sur scène? Ah, qu'est-ce que j'ai ressenti quand j'ai monté sur scène? Alors, bah, moi, la scène, c'est quelque chose dont j'ai l'habitude parce que je suis aussi professeure à l'université. Donc, je suis souvent sur scène, hein, en quelque sorte. Et je fais aussi beaucoup de théâtre. Je suis auteure de théâtre, je mets en scène et je fais du théâtre. Donc, avec les jeunes, hein, par contre, le théâtre, avec des ados. Et donc, la scène, c'est quelque chose à laquelle je suis habituée. Mais j'ai trouvé que l'entrée était très star et j'avais pas mis mes paillettes. Donc, voilà. Mais c'est toujours un vrai plaisir de parler à des gens qui viennent s'intéresser aux livres, s'intéresser à nos métiers. Moi, je ne me prends pas du tout pour une star, mais comme une ouvrière qui transmet des choses par le biais du livre. Alors, on habite d'un côté et de l'autre, donc je me dirige de ce côté. Qu'est-ce qui vous a mis l'idée de créer ce livre? Alors, c'est une maison d'édition qui s'est créée. Alors, celle-ci, c'est une nouvelle maison d'édition qui fait partie d'un gros groupe. Donc, un groupe de maisons d'édition qui avait envie de créer un label, une marque, de 8-12 ans. De romans, donc mes amis sont aussi sélectionnés, donc je suis super contente parce qu'en fait, tous les auteurs qui sont sélectionnés pour ce prix, c'est les auteurs entre guillemets fondateurs de cette nouvelle maison d'édition, on est 4. Alors, par un curieux hasard, on a tous été sélectionnés pour ce prix, donc personnellement, je suis super contente parce que les autres écrivains, c'est mes amis, donc je voterai pour eux, moi, donc je suis très contente. Et Leonardo, on voulait lancer une collection de biographies. Donc
c'est génial, ouais. Alors l'idée c'était de raconter une anecdote à quelqu'un connu, mais sans oublier les chants, parce que c'est quand même un petit peu spécial, surtout pour les enfants. Donc mon idée c'était